Le grand historien britannique Neil Ferguson explique qu'un pays qui dépense plus pour le service de sa dette que pour sa défense est condamné au déclin et à disparaître, et en tout cas ne peut plus être une grande puissance. Et il pense que c'est déjà le cas aujourd'hui aux États-Unis. On peut dire plus encore qu'un pays qui dépense plus pour le service de sa dette que pour l'éducation est encore plus rapidement condamné au déclin. L'éducation, ce n'est pas seulement l'éducation nationale, c'est l'ensemble des mécanismes de transmission par la famille, par le travail, par la formation permanente, par le monde associatif, par l'ensemble de ce qui fait société. Transmettre, créer, inventer, c'est la meilleure façon de créer des conditions d'un futur. Et une dette qui sert à financer l'éducation, à financer la transmission, n'est pas une dette. C'est une façon d'épargner pour l'avenir.